surprise, motherfucker. Fuse. Bonjour. Bonjour. Mettez-vous devant votre véhicule, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez me présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît? Oui. Hop. Tenez. Parfait. Vous pouvez m'expliquer votre conduite? Ah, je suis appelé par un copain qui a des problèmes sur Peritonia. De problème. Bah en gros ils ont essayé de lockpit sa voiture et puis bah, ah ouais. Il est derrière quoi. Ouais. Normalement il vous a appelé. Ouais. Ouais. Et donc ça vous autorise donc du coup à prendre en contresens sur le virage de Jamestown, rouler à fond de balle sur le pont de Jamestown, payer le stop à l'autre bout du pont, repasser en off-road et continuer à fond de balle direction Fusignon. Ah non ça j'ai pas dit que c'était que j'avais le droit de faire ça mais. Pourquoi vous le faites dans ce cas? Parce que j'étais un peu pressé quoi, c'est un peu sa voiture, s'il se la fait voler c'est un peu embêtant. Ah voilà c'est sa voiture, donc c'est lui qui appelle la police si jamais il y a besoin. Ah ça je suis d'accord avec vous monsieur. Vous voulez se voir s'il vous plaît, j'ai pensé à une palpation de sécurité, une chose de sac à dos. Allez-y. C'est à quel nom le véhicule? Ah c'est à mon nom. Ok ça va. Vous pouvez me représenter un Paris Cruiser s'il vous plaît? Hop, tenez monsieur. Parfait, je vais vous verbaliser pour l'excès de vitesse. L'off-road, oui. Franchissement de ligne blanche. Enfin. D'accord, je suis d'accord. Donc il y aura deux conduites. Une première pour le contresens sur le niveau du pont. Vous êtes passé drôlement proche et à haute vitesse à côté du contrôle que j'étais en train d'effectuer sur le niveau PA. Et une autre conduite dangereuse également pour la vitesse. D'accord. Tac. Donc du coup, pour l'off-road, vous avez verbalisé à 30 000 euros pour le non-respect de la signalisation, 20 000 euros, ce qui fait 70 000 euros, pardon. Et pour les deux infractions, donc en conduite dangereuse, un total de 80 000 euros pour les deux réunis, ce qui fait un total de 150 000 euros. D'accord. Moi, je suis d'accord, je suis honteur, hein. De toute façon, il n'y a pas... Hop, tenez monsieur. Parfait, je vous laisse reprendre le véhicule en allant doucement cette fois-ci. Ouais, y'a aucun souci. Il a un problème, qu'il vous a appelé. Mais normalement, il était censé vous appeler. Enfin, il m'a dit qu'il vous avait appelé, mais je suis pas sûr. Ouais. Voilà, ouais. Bah écoutez, bonne journée, hein. Au revoir. Putain, casse la tête. Elle est embêtante votre voiture. Heureusement que j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Heureusement, il a un garage dans, dans son coffre. Dans mon coffre là, c'est un garage le truc. Ah, de ouf. T'as concessionnaire. Ouais. Ah, j'ai une RS6 full black carrément dans le coffre. Ah ouais, moi je l'ai vendu. Moi je l'ai dans le garage. Cherchez pas une RS6 2020 par hasard? Une assez spéciale, couleur Belgique. Belgique? Non, j'en ai déjà une. Vous savez pas, ça se vend à combien ça à peu près? 3€ à la brocante. Je sais pas, ça va pas trop augmenter encore. Ouais. Franchement, pour moi, je dis les prix ils vont prendre des claques. Hein. Bon, ouais, ouais, ouais c'est sûr. Bah en même temps, t'imagines avec l'ancienne économie, aujourd'hui, comment tu veux mettre 50 millions sur une full bag, c'est pas bizarre. Bah hier, on a essayé de me l'acheter, ma full bag 50 millions. Putain.
Avec l'économie actuelle, je pense que c'est des bonnes offres, hein, parce que ça va. Moi, ça descendra pas du jour au lendemain, mais à mon avis. 06 97. Ça va commencer à. Non, je regardais si j'avais pas un message de ma mère. C'est jamais. C'est quoi, 70 00? Ouais, moi c'est ça. Non, mais vous inquiétez pas, c'est rien. C'est pas cher, non, 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 vous inquiétez pas, je vais vous relier. C'est un scandale, c'est un manifestant dans l'automobile. C'est une blague. Bonjour. Bonjour. Je suis content que vous descendez, s'il vous plaît. Bah oui. Parce que je vais essayer de prendre mon véhicule. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Je vous laisse aller prendre mon véhicule, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous présenter une pièce d'identité, un permis de conduire, s'il vous plaît. Oui, tenez. Tenez. C'est votre véhicule ? Oui, oui. Vous pouvez vérifier. Vous voulez que je vous l'ouvre ? Oui, ça va aller. Parfait. Vous savez pourquoi je vous contrôle, mais... Je vous ai pas contrôlé récemment, vous, ça vous bah fait. Oui, oui, juste, bah c'est pour ça, avec la GTR blanche. Oui. Et le trottoir, là, vous n'avez rien à faire, vous voulez pas prendre la route? Alors, le problème c'est que j'ai essayé de prendre le trottoir, et sauf que bah, la voiture, je sais pas pourquoi, elle passe pas. Du coup, j'ai pris sur là, le côté. Vous, là, vous êtes passé par le trottoir pour sortir du QG de Tana. Oui, c'est parce que en fait, les trucs sont tombés, et en gros, quand j'ai voulu passer à gauche, ça a pas voulu. Du coup, j'ai refait le marche arrière, puis je suis passé à droite. Ouais, mais il y a une route pour partir. Vous savez ça, il n'y a pas de trottoir pour passer par la route. Ouais, je suis d'accord. Mais ça passait pas. Mais parce que ça passait pas. Mon cerveau il a pas. Je vais vous demander d'aller de retourner là-haut et de repasser par la route dans ce cas. Et on verra bien si ça passe ou pas. Non, si vous voulez. À jouer, ça. Joue, celui-là. Ouais, ça a eu du mal quand même. Hein. Alors je sais pas ce qui se passe, mais c'est quand même assez. Il y a eu du mal de rien du coup, monsieur. Vous êtes passé comme une lettre à la poste. Donc je vais vous demander de faire attention à votre conduite, s'il vous plaît. Oui. Avant que les sanctions plus lourdes tombent. Le véhicule, on peut le garder, etc. etc. Ouais, on va éviter. Hein. Voilà, donc je vous demanderai de faire attention, ça marche. Ça marche. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup, au revoir. Sa mère, j'ai cru que c'est parce que en fait je viens de vendre des armes, je viens de vendre 200, enfin bon, des armes, des recettes d'armes, et j'ai cru en fait il venait pour ça. Ah, j'étais pas bien. Ah, j'étais là, frérot, j'étais là. Oui, oh là là, Paris, Paris. Non, il n'y a pas de. Voilà, voilà, c'est Paris, voilà. Alors j'étais pour Paris, mais là voilà, avec tout ce qui s'est passé, voilà. Attendez, attendez, attendez. Je vais imiter. Tout, voilà. Non, et la tête de ma mère. Attends, je vais imiter quelqu'un. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Oh. Marseillais, là. Oh, papa, mon ventre, la pétaille. Il m'a tapé le tibia, mais j'ai mal à le ventre. Il a un souci, là. Attends, on va l'aider. Ah, pétard. Ah ouais, 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 en fait, je m'appelle Neymar. Oh là là. Oh là là, il est parti. Et je regarde ma carte d'identité. Ah ouais, bon, c'est qu'on va faire. Hein. Tu le mets dans le cabine et puis tu vas le consulter vite. Ouais, monsieur, parce que venez, gars, venez dans le... Monsieur. Venez. Allez, venez là. Suis-le. C'est là, du coup... Ah là, t'as ouvert la porte, le copain, on peut pas rentrer, là. Allez,
Allez. Allez, là, là, là. Ah. À ma place, là, venez à ma place. Venez à ma place, là, vous pouvez monter dans le. Oula. Allez. Bon, monsieur. Paris, Paris, honte. Non, c'est pas ça. Oh, pardon. Hein? Ah, je vais amener à l'hôpital psychiatrique, là. Ouais, j'avoue, hein. Oh là, oh là, oh là, oh là. Sorti là. Bon, sinon, vous avez besoin d'argent, quelque chose? Ouais, l'argent, moi, si vous avez, je suis preneur. Ah, si, nous sommes. En 997, l'argent, je suis. Nous, hey, écoute, monsieur, nous, on est là pour vous, hein. On est là pour vous. On est là pour vous, on est là pour votre besoin, on est là pour. On peut pas taffer comme vous, et vous taffez toute, si toute vous la avez journée. Un petit voilà. Million, 997, moi, il y a vraiment pas. Tenez, surveillez vos poches, je vous donne de l'argent que j'ai dans mes poches. Ah ouais? Voilà, je vous donne un billet de 500. Ah, merci, bah, merci ça. Ça, c'est sympa. Ça. C'est rare parce que je suis juste pas beaucoup. Centimières. Voilà, oula, en fait, j'ai que des centimes. Non, mais même 1 euro, ça, c'est quelque chose. Hein. Ouais, moi, 1 euro symbolique, c'est pas mal déjà. Ah là, c'est les 500 euros symboliques. Et là, moi, je suis là avec mes jumelles sur mon compte bancaire. Y'a quoi là? Zéro? Ok, très bien. Et comment je fais pour payer les employés? Attendez, hop, toujours zéro. Ok, très bien, oui. Putain. Wow, flemme. Non, mais je suis pas prêt pour mourir, voilà. Une fois que tu rentres là-bas, c'est pas sûr que tu vas sortir, hein. Voilà. Après tu sors mais pas de ton vivant quoi. Il y a ton âme qui sort mais c'est tout. Attends encore. Non mais je sais pas, c'est un truc de fou. Il y a des belles étoiles là quand même. Ouais. C'est beau là dans le ciel. Mais toi tu me dis quelque chose mais je me rappelle plus, je crois que c'est moi Enzo, je sais pas. Ouais c'est ça Enzo. Ah voilà. Ah, hop là, oh putain. Oh, oh la gueule. Hey, sacré gueule! Dis comme deux fois, descend du camion, ils veulent pas! Oh, hey, attention à vous! Tu connais The B. Tac. On reste le chargeur. On est bien. C'était un petit corps d'entraînement vite fait, gros. Hop là, c'était militaire et tout, gros. Qu'est-ce que tu vas faire? Si je vais dire, monsieur, j'ai plus de chasse, vous pouvez me ramener. Ouais. Et du coup, tu sais, je vais m'entendre également. Et comme ça, t'as le temps de te racheter. Bah je croche plein de véhicules, tout ce que je peux. Je vais faire déjà la Bugatti là, et après la P1. Là mesdames et messieurs, c'est chaud sa mère. De toute façon on verra bien hein, ce que ça donne. Hein. Vas-y, bah vas-y, bah fais tout alors, vas-y. C'est bon, il est avec nous. Ils m'ont juste accroché, ils sont tous partis. Mais attends, pourquoi tu prends la Bugatti et pas moi? Bah, je sais pas, le mec il est venu après, là-bas il a pris la P1.
On prend ce qu'il y a, vas-y, hein. Premier, premier arrivé, premier servi. Hein. Il a l'air, tu coupes. Bah, si, il a RS7. Vas-y, il est avec nous, il est avec nous. J'ai les clés, moi. Attends, j'ai pas encore. Bon, bon, ça a cassé. Bah écoutez, moi j'y vais, hein. Il s'est barré. Donc là, mon copain. Vas-y, en attendant, je vais faire un truc à manger pour te faire vite. Vas-y. Ah putain, l'autre il a fait une annonce, il y aura peut-être des gens qui vont y aller. Oh. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. En attente, bougez pas. Pourquoi? Présentez votre carte d'identité. Ah pourquoi, monsieur? Vous me présentez votre carte d'identité. Vous mettez contre le véhicule pour une troisième fois, ça m'a l'air d'être compliqué, mais bon. Ah bah je l'ai entendu qu'une fois, monsieur. Ah non, excusez-moi dans ce cas-là. Vous vous retournez, ils vont présenter votre carte d'identité. Monsieur Stax. Vous pouvez contacter de nouveau monsieur là pour la pilotie. Vous redonnez l'affaire du secret public si vous mettez en sécurité. Je vous laisse reprendre juste le contrôle de monsieur, vous le gardez sous la main, non, c'est en sécurisation. Bonjour, venez avec moi s'il vous plaît. Bonjour. C'est quoi ici, monsieur? Bah moi je suis là parce que bah je suis là, enfin je sais pas. Ça ne va pas me suffire ça, monsieur. Ah je suis là parce que j'ai accompagné mon ami, mais c'est tout. Et où votre ami? Bah il est... Bah quand il a vu arriver là-bas, il est parti par là-bas. Parti par là-bas? Vous êtes sûr? Vous êtes venu comment? Quelle voiture? Bah moi je suis venu en Audi et le monsieur est venu en Bugatti. Et moi je le suivais. Bah il l'a pris. Comment? Il l'a pris parce que moi j'allais par là. Parce qu'après si vous voulez j'allais prendre un billet d'avion. Bah du coup et, la Bugatti s'il a pris la Audi. Ah la Bugatti mon collègue là, l'a vendu là. Comment? Mon collègue il l'a vendu. Il l'a vendu? Ah ouais. Il était pas à lui la voiture. Non non je pense pas. Ouais. Vous êtes complice du vol. C'est ce que vous êtes en train de dire là. Ah après je sais pas. Mettez-vous au niveau de ma voiture, c'est pour appuyer une petite fouille sur votre personne déjà. Vous avez des choses dangereuses ou illégales sur vous? Je peux regarder dans mon sac, je vous dis ça tout de suite. Allez-y, allez-y, de toute façon je vais regarder. Sur... Attendez, il faut juste que je m'éloigne de la voiture un tout petit peu parce que ça... Allez-y, mettez-vous là où je suis. Là. Ouais, un petit peu. C'est ça déjà? J'ai deux armes. Quelle arme? Alors j'en ai une, c'est un petit pistolet. Donc ouais. Ça va, vous allez être content. J'en ai une là, vous allez pas être content. C'est quoi comme arme? C'est une Spar en 5.56. Elle est dans votre sac? Ouais. Ok. La voiture, c'est vous qui l'avez vendue quoi, parce que moi, honnêtement, on va pas perdre de temps. Ah, honnêtement, c'est mon collègue qui l'a apporté. Bah ouais, c'est moi qui l'a vendu parce que lui, il voulait pas le faire. Donc vous avez l'argent sur vous? Ouais, j'ai la moitié. Vous avez des escrochages aussi sur vous? Ouais, ah oui, pardon, ça je vais pas. Comme c'est les 13h46, c'est passé un garde à vue parce que les agents sont reconnus contre vous en cours de justice. J'aurai le droit de boire, de manger devant le médecin si vous le désirez. Malheureusement, il n'y a pas d'avocat actuellement sur l'île du Confrasson, parce que vous avez bien pris comme ça de droit de. D'accord, oui, parfaitement. Il est où votre ami? Là, je sais pas du tout. Honnêtement, après il est parti, je sais pas où. C'est. Vous étiez à deux voitures? En fait, c'est moi j'étais avec sa voiture, donc c'est une Audi rouge, une RS3.
Et en fait, comment dire, moi je me suis arrêté là-bas, il m'a dit de venir le chercher, donc je suis venu le chercher. Et puis après, il est reparti avec la. Moi j'ai vendu la voiture et lui il est reparti avec l'Audi. Vous avez eu combien pour la revente de la voiture? J'ai eu 20 millions. Et du coup, lui, moi j'ai eu 10 millions, lui 10 millions. Donc vous avez touché un tout 20 millions, c'est ça? Vous c'est avez ça. Partagé avant qu'il parte? C'est ça. Et il va nous falloir son identité, d'accord? Bah, honnêtement, je sais pas. C'est un monsieur, en fait, je l'ai croisé là-bas. Ouais. Ok, bon, on va aller faire sortir ce commissariat. Allez-y. T'es con, ça? Ah, ouais, je suis. Tiens. Allez-y, monsieur. Je vais faire total, monsieur. Comment? Ouais. Ah, sa mère la pute. Pour la Bugatti. Elle était à qui? Ah, j'en sais rien, moi c'est. Je vous explique de A à Z. J'arrive au concessionnaire avec ma voiture. Il y a un monsieur qui m'accoste, il me dit tu veux te faire de l'argent? Je dis oui, enfin après voilà. Il me dit écoute, surveille, on pique une voiture et puis on se barre. Et en fait le concessionnaire il est parti, comment dire, comment vous expliquer? Il est parti mais genre il s'est endormi, si vous voulez. D'accord. Mais de son plein gré. Hein. Genre il est parti, il a dit moi je vais dormir et puis il a pas rentré les voitures. Et en gros le monsieur, moi je regardais. Il m'a dit bah, prends ma voiture, tu fais un peu le tour, préviens si y a la police, tout ça, la sécurité. Donc je fais le tour, il n'y a personne. On crochet du coup la voiture, il n'y arrivait pas, il me dit bah essaye. J'essaye, du premier coup la serrure elle s'ouvre. On prend la voiture, on est parti, moi je prends l'Audi, je le suis. L'Audi je m'arrête un peu avant, il me dit écoute, vends la voiture, je veux pas le faire. Et du coup j'y étais à pied, je commence à vendre la voiture. Et puis là, du coup, quand je suis parti en courant, lui, il a pris la voiture, il s'est barré quand vous êtes arrivé. Et moi, du coup, bah, j'ai été vers le bruit de voiture comme un con, et c'était raide. D'accord. Oui, bien sûr. C'est pour votre prime de fin d'année. Donc, je vais analyser la perte de 310 000 euros. C'est dans ma gauche. Parfait. Mais je vous laisse attendre que mon collègue en vienne, il va me parler. Lequel? C'est tout le monde? Ah. Oui. Très bien. Alors, je vais laisser pour prendre une qui a une peine de 10 ans de détention. D'accord. Ah, en plus? Je vais faire 10 ans de prison. Alors, non, c'est pourquoi? C'est simplement le vol de véhicule qui est puni de 5 ans et le port d'armes illégales c'est puni également de 5 ans. D'accord. Ouais, ça va être 10 ans de prison. Vos armes ont été saisies, donc ça c'est bon. Le panier, on va vous le laisser. C'est à cause de la pression d'armes. Oui, ça bon. je me doute. Moi je change au propos. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est à cause de la possession d'armes illégales, non du port d'armes illégales, sans permis. Qu'est-ce que je dis? Parce qu'il a dit, monsieur. Ah non, je m'en fous. J'ai juste dit le port d'armes. Bon, c'est pas grave, ça revient au même de toute façon. En tous les cas, j'étais en tort. Putain. Ah, voilà, bref, du coup, ça fait 10 ans de détention. Je vais vous laisser vous retourner, on va vous remettre le ouais. Ça fait un aller-retour mimimati ou c'est la sécurité? Non, enfin, la sécurité, je n'ai pas de mobilité, c'est un plaisir de vous prendre en charge. Et si c'est ça, du coup, allez bien sur les concessionnaires parce qu'il n'y avait pas que moi non plus. Non, mais on a une partie. Mais ça, c'est qui vous a prévenu par hasard? Quelqu'un, concessionnaire, justement. Hmm. C'est quoi la police? Je suis bien content. Ah, je te laisse, je vais fermer la porte parce que. Je peux passer? Oui. Allez-y.
Ouais. Ah mais j'ai un problème avec toutes les portes. Ouais. Ah bah non, ça va plus beau là. Ah, votre collègue il est parti en courant. Ouais, il est un peu bizarre votre collègue, non? Bonjour messieurs. Bonjour. Je veux se présenter ici. Ouais, ouais. Vas-y, mets comme ça. Bonjour. Alors, vous comptez ce monsieur. D'accord. Oui. Je vous laisse la petite identité, je vais vous le démenoter. Je vais ce monsieur rapprocher de ce que je fais. Je vais le démenoter. Je vais me représenter une petite identité par exemple. Je vais prendre un truc comme une petite identité à l'agence. Voilà. Bah, si vous pouvez me la redonner, s'il vous plaît. Ouais, je vous redonne ça tout de suite. Merci. Tenez monsieur. Donc je vous donne ça. Juste là. Merci. Du coup pour ce monsieur là c'est 10 ans de détention, ça va. D'accord. D'accord, bon bah écoutez. Bon, je vous laisse monter. Merci beaucoup. Bah, opérant, il est gentil. Bonne journée monsieur. Bonne journée à vous. Oui, oui bon. Ouais. Ça marche. Exactement. Au revoir. D'accord. C'est 5 ans pareil. Ouais, 10 ans, bon c'est bon monsieur. C'est 5 ans monsieur. Bonjour. Bonjour, enchanté. Hey, t'as mis 5 ans toi? Non, 10 ans. Ah le bâtard. J'ai mis 5 ans. Ah, moi aussi j'y ai essayé. Je dis 5 ans. Et il me dit ah non, t'es 10 ans. Et puis vas-y. Ah, j'ai le seum. Putain, c'est fait pour qui?